Hey, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le remarquer, ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur ma chaîne. C'est pas pour rien, c'est parce que bah, j'avais la flemme, hein, je vous le cache pas. J'avais pas envie de filmer de vidéo, et je me suis dit que ça allait se ressentir si je me forçais à filmer, donc j'ai pas filmé. Voilà. Il y a quelques jours, Ben Bello, le rédacteur en chef de Soul BMX Magazine, qui maintenant est un site internet, m'a contacté pour parler du DVD Soul, qui était sorti en 2006. Où j'avais une part entière qui avait été filmée par Anthony Favennec. Merci Anto. Ce qu'on va faire, vous allez regarder la vidéo. À la fin de la vidéo, je reviens et je vous explique les plus gros tricks de la part et comment on les a filmés et des petites anecdotes. Alors, c'est comme vous voulez. Si vous voulez juste regarder la part, vous pouvez regarder juste la part. Et sinon, bah on se retrouve à la fin. Allez, je vous laisse avec la part. À toutes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous avez remarqué que c'est à l'ancienne. La moitié du temps, j'ai pas de casque. Super, Greg.
vachement sécurisant. Vous avez remarqué sur le premier manual, le manual en lui-même, il fallait que je roule sur une petite bordure de trottoir pour pouvoir monter sur le mur, parce que le mur, il m'arrive à peu près à l'épaule. Donc c'était vraiment, vraiment très, très dur. Et en fait, on voulait marquer le coup dans l'intro, et Anthony a une super idée de me faire disparaître en me foutant un gros poing dans la gueule. Ça a vraiment fait marrer beaucoup de gens, je pense, parce qu'ils s'y attendaient pas. Après, on passe au whip to rock to Abubaka to bus. Alors ça, c'est exactement le genre de combo que j'adore. Et là, ce jour-là, c'était la première fois que je le rentrais. En fait, ça faisait un bon moment que je faisais des whips to pédale. C'est-à-dire, je fais tel whip, j'atterris sur ma pédale. Et à la sortie, je faisais un 270. Et au bout d'un moment, j'ai vu une vidéo de Rick Maliterno qui faisait Rock to Abubaka. Et ça m'a donné envie d'essayer Rock to Abubaka après le whip. Et dans la continuité des choses, j'ai fait whip, rock, Abubaka, c'est rentré. Et Anthony m'a demandé de mettre un bus après, histoire de soit me tuer, soit faire un beau trick. Et bah, c'est rentré. Et comme vous le voyez dans la vidéo, bah, je suis content de le rentrer, ça se voit, j'ai même pas ricabé encore que je sais que je vais le mettre. Et je fais waouh. On passe sur une figure, c'est un. Je monte, je fais un rock, je pars en faki et je cap bus. Le trick en lui-même est pas très dur. Par contre, l'histoire du spot est intéressante parce que il y avait un hangar, on était arrivé un jour et la porte avait été forcée et en fait on a pu rentrer dedans. Et eh ben, on a commencé à faire un skatepark. Le premier jour où j'allais le rider, je reviens, quelqu'un a foutu le feu au parc. Et en fait, là, vous l'avez dans l'état où il était après le feu. Avant le feu, il y avait un wall ride, il y avait une petite sub, il y avait plein de trucs marrants à rider. Si vous regardez mon entrée dans le parc, en fait, je suis obligé de faire un bunny hop au-dessus d'une porte. Parce que la porte, elle est tombée aussi. Je crois que c'est les pompiers qui l'ont fait tomber pour éteindre le feu, enfin. Dans la continuité des choses, dès que tu essayes de faire évoluer quelque chose et que tu veux faire un parc, il y a toujours quelqu'un pour venir casser. C'est désespérant, mais bon, c'est comme ça. On essayait de se bouger à Morlaix. Et puis la seule fois où on a pu le rider, bah, il était brûlé. Alors, après ça, on va passer au turn-down to Fujam. Alors ça, c'est dans la mini-rampe de Brest. Et en gros, le turn-down to Fujam, ça faisait un bon moment que je faisais des feeble to Fujam. Des feeble to Fujam. Alors le mec, il a rien compris. Des bar spin to Fujam. C'est mon trick préféré, vous le savez, j'en fais dans toutes mes parts, je fais des bus Fujam whip. Et là en fait le turn down to Fujam, bah, c'est venu sur un malentendu, je me suis dit est-ce que je pourrais pas essayer un autre combo différent. Et en fait avant ça il y avait Condor to Fujam mais je trouvais ça difficile. Donc je me suis dit je vais essayer de faire un turn down, on va voir. Et en fait bah, le turn down to Fujam en lui-même, le lancer c'était pas très compliqué. Par contre le ramener tout en lâchant le pied et en allant choper le foot jam, ça c'était super dur. J'ai mis un bon moment à le rentrer. Et puis au final, je l'ai plaqué pour la vidéo. On passe au rond-point de Châtelain. Alors le rond-point de Châtelain, c'est pas du tout une funbox à l'origine. C'est un rond-point avec des gros piliers qui sont jolis. Et en fait, on s'est demandé, en arrivant sur le spot, est-ce que je pourrais le passer? Du coup, j'ai essayé plein de fois de pédaler jusqu'au rond-point. J'avais pas du tout l'élan parce qu'en fait, si vous regardez dans la vidéo, il y a au moins 10 mètres d'herbe avant. Donc tout l'élan que je prends sur la route avant, bah, je le perds dans l'herbe. Et du coup, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je me fasse tracter par quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait sur place? Bah, ma voiture. Et qu'est-ce qu'on avait comme corde? Bah, on n'avait pas de corde, on avait des chambrières de vélo. Je vous cache pas que les premiers essais de prise d'élan, c'était compliqué. La chambrière a pété, je me la suis pris dans la gueule. Je suis pas tombé, j'ai eu de la chatte. Et en plus, j'avais pas de casque, encore une fois. Hein, très malin. Et en fait, au bout de 3 ou 4 essais, et si vous regardez dans la vidéo, même avec l'élan de la voiture, je suis encore obligé de pédaler dans la montée, tellement le saut est long. Parce que je crois qu'en marchant, ça faisait 7 ou 8 pas, donc ça doit faire 6 mètres de long, le rond-point. Ça paraît pas en vidéo, mais il est bien fat. Et c'était un trick que j'aimais bien, parce que bah, ça sort du commun. C'est quand même un putain de spot. C'est juste un saut droit, mais je trouve que le spot est trop classe, donc c'était dans la continuité. Il fallait continuer. Le hammer, le hammer, le hammer. Donc le hammer, c'est la fin de vidéo. À la fin de la vidéo, on essaie de mettre des gros tricks. Et le trick qui arrive derrière est énorme. C'est-à-dire que ce truc-là, j'ai mis, je sais pas, j'ai dû mettre une heure avant d'y aller. Parce que je me disais, wow, si je me loupe, je me fume. Le gros plan incliné que vous voyez à l'origine, je roulais dessus. C'est-à-dire que je montais et je faisais juste, je roulais dessus. Et puis au bout d'un moment, on a réussi à trouver une plaque d'égout qui était un peu plus loin pour la mettre en bas. La plaque, elle fait ça de large. On la voit dans la vidéo. Et ben, le problème, c'est que quand tu montes, ben, tu peux la prendre facilement. Mais il faut prendre la plaque en descendant aussi, parce que le plan incliné, il est ultra raide. Et si jamais j'atterris à côté de la plaque, je tape de la roue avant et je tombe à plat ventre. Et en gros, j'ai dû en faire une dizaine des tests d'élan pour voir si je pouvais monter.
aller essayer de faire un wallride normal, et je me suis rendu compte qu'en wallride ça marchait pas, parce qu'en wallride t'as les deux roues posées sur le mur, et je trouve que c'est moins facile pour repoper droit dans un plank. Donc au final, bah, j'y suis allé en wall tap, et vu que le mur est un petit peu incliné et qu'il est en pierre, bah, ça accroche à mort. Donc une fois que j'ai calé le wall tap, je suis redescendu, je suis retombé pile sur la plaque, je sais pas comment, mais bon, je l'ai rentré, et c'était un des gros tricks de la vidéo. Après ce gros tricks là, on a le fameux world first dont je vous ai parlé dans une vidéo. Si vous voulez l'avoir, elle est ici. C'est le bar spin to jump tail whip. J'ai expliqué à peu près comment ça s'était passé. Bon, 80 essais, le trick que j'ai appris pendant un mois entier, que j'ai galéré et qui était le point final de cette vidéo. Et qui sera le point final de cette vidéo là aussi, parce que bah, c'est la dernière figure, donc je vois pas pourquoi je parlerai plus. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je peux toujours pas rider parce que j'ai toujours mon tendon qui est en cours de rééducation. Pour l'instant, je vous fais des vidéos un peu remplissage comme ça. J'espère qu'elles vous plaisent quand même. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez trouvé ça cool et si vous voulez que je recommence à faire des vidéos comme ça. Et bah, abonnez-vous à la chaîne et regardez mes autres vidéos si vous voulez. Et à la prochaine les mecs. Salut !